une mini Austin. Bonjour. Je viens aux étangs depuis combien de temps? Depuis 7 mois. Ouais. Le micro, il a pas la marché. Là, ce micro, je parlais bien fort. Avec ton père, c'est avec mon père, Philippe Valjouès, et puis donc du club de Vigny. Du club de Vigny. Voilà. C'était avec Matra Bagheera, la première fois ici. Ah oui, oui, je m'en rappelle. Ouais, ouais. S. Voilà. Qui a acheté 1944 rouge après. Ok. Donc cette mini, elle a un côté personnalisé. Oui, on va dire ça comme ça. Parce qu'elle est pas si vieille qu'on croit. Non, non, non. Bah, elle est 84. 84. La première année avec les rouges. Non, non. Oui, oui, c'est exact. Donc l'origine, elle est en 10 pouces. Elle est en 10 pouces, l'origine. Ah, d'accord. C'est une boîte 1000 automatique d'origine. Parce que je crois que 83, 84, c'est pas ça, j'en doute plus. Voilà. Moi, j'ai modifié. D'accord. Alors, pour rappeler qu'avant, le prix avec le 10 était à la course sur le compteur. Bien sûr qu'on a des petits disques en droite et en bas de la main. Parce qu'il y a vraiment mon poignet qui est complètement vide. Donc là, tu as mis des jambes assez larges. Au départ, ça dépasse. Hein. 6 à 12. Ouais, c'est vraiment avec mon bon. Voilà. Les élargisseurs aussi accessoires. Voilà. On trouve sur le marché. Calandre MK1. Alors une calandre que j'aime beaucoup, hein, les premières calandres pour trouver les premières coupeurs. Voilà. La sellerie d'origine. La sellerie d'origine. La peinture en fonction de la sellerie en fait. D'accord. Alors la peinture qui rappelle bien sûr le pétrolier Gulf. Voilà. Qui est devenu célèbre avec les 917 au Mans. Ouais, c'est ça. Donc, les 917 et les 40 également. Ton moteur il est modifié. Donc voilà, c'est un 1300. Ah oui, c'est un 1300. Ouais, en métro ou non? Métro. Ouais. En boîte manuelle. En boîte manuelle. D'accord. L'intérieur est d'origine. On va détailler le moteur après. La roue. Voilà. Ah oui, l'intérieur. Ah oui, l'époque. J'adore. D'origine. D'origine. Voilà. Donc c'est une couleur un peu bleu-vert. Voilà, passé un petit peu. Ouais. Juste les poignées de porte. Bon, ça fait un côté racing au niveau de tout ce qui est poignée de porte, manivelle, oui. Ouverture et pédale. Voilà. Hein, ça c'est ton choix. Mais l'intérieur, la série, j'adore. Voilà. Ouais. Mon volant qui m'attend, que j'ai pas encore monté. Ah oui, ces volants-là, ils sont pas tellement beaux. Hein. Voilà. Il y a seulement des volants plus beaux, il y a le choix du volant. T'as le compteur, deux compteurs. Ouais. À l'époque, c'était 2.1. Voilà. Et t'as un arceau aussi. J'ai mis un arceau 3 points italien job. C'est pour le look. Pour le look. Ouais. C'est de la piste avec. Non. Bon, là, elle sort tout juste de restauration. Elle sort de restauration là. T'as mis combien de temps à la restaurer ta voiture? J'étais un peu flemmard. Non, l'année dernière, tu veux dire. Oui, oui, l'année dernière. Mais ouais, c'est une bonne année. Quoi. Bonne année. Elle était saine. Elle était saine. Ouais. Bon. Alors on peut dire que les mini, en trouver, c'est pas un problème. Trouver des scènes, c'est ça, pas de problème. Ah, je viens d'en acheter une aussi, moi, le 91. Bon, elle est pas trop mal. Ouais. C'est ma quatrième, mais je connais assez bien les mini. C'est ma deuxième. C'est la deuxième? Ouais. Bon. Il y a une rouge avant. Ok, alors elle a un look aussi, elle est un peu haute sur patte. C'est dû à quoi? C'est dû aux jambes qui touchent les ailes. Mais elle n'est pas encore tassée non plus. Pas 4-4, hein? Non, de motrice. D'accord. Elle est réglable. Elle est réglable. Tout est réglable. C'est-à-dire amortisseur, un amortisseur à gaz. Amortisseur à gaz. Amortisseur à gaz. Les 4. Ouais, les 4. Kitilo, devant et derrière, pour régler la hauteur de caisse. Ça se règle comment alors mécaniquement avec les clés? Oui, avec les clés, c'est simple. Ouais, c'est assez rapide. Ah ouais, si tu connaissais pas, c'est la roue. D'accord. Le moteur, on va le voir, le moteur. Ils sont de l'intérieur ou d'extérieur? Il y a des moteurs qui sont à l'extérieur. Là, ils sont. Voilà. Waouh, oh, c'est nickel. Avec voilà, le 1300 avec tout ce qu'il faut les petits On rappelle qu'on connaît la cylindrée Vigny à cette couleur. Oui, la couleur de 1300 c'est rouge. 1300 et le jaune. Le jaune c'est un 1000. Bien. Et le vert c'est un 850. Bien, alors, le 1100 peut être en vert aussi. Voilà. Ah, il faut voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Le carbu. Un classique. Le carbu, voilà. Hein, avec son petit coupe carré, tout ça. Tout à fait. Voilà. Avec un petit sagin. D'accord. Et un collecteur 4-en-1 avec une sortie. On fait quoi de chevaux à peu près? Oh, d'origine, il fait pas de chevaux, le 40
à peu près 5 ans. Ouais, et là, il s'est revenu de 5 ans. Oh, je l'ai pas passé, mais ouais, c'est quoi, ouais, 5 ans, ouais. C'est qui pour la, le poids, ouais. Après, le poids de la voiture, c'est limité, quoi. Ouais. 600 kg de voiture comme ça. Une voiture comme ça, à restaurer, ça coûte cher, ou pas? C'est beaucoup de pièces, mais c'est au final. C'est beaucoup de pièces, mais je me fais plaisir sur la pièce, vous voyez. Ouais. Donc là, on arrive à 5 euros, je crois. 5 000 euros. C'est la cause de la voiture, un peu plus dans les 10 000. Une voiture restaurée comme ça à Paris. Malgré qu'elle n'avait pas d'origine, l'origine, elle n'avait pas la coque. Ouais. Enfin, elle est mieux aujourd'hui, elle commence à coûter. Oui, quel que soit le modèle. Oui. Plus elle est en meilleur état, plus ça coûte. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le Mini? Je vais faire un rappel, la Mini, elle est sortie en quelle année? En public. En quelle année est sortie la Mini? 2007, peut-être? Il y avait 5 ans ou 59, c'est très bien. Ah, bien. Roule en anglaise. En 59, et les tout derniers modèles, c'était en 2001. Les tout derniers modèles en classement. Et avec un airbag. Mais la caisse, en fait, elle n'a pas changé. L'accessoire, bien sûr, c'est modernisé, alourdi aussi, mais elle n'a pas foncièrement, au niveau carrosserie, été modifiée. Ah, c'est la très Mini. Bon, elle est sympa aussi, mais bon, l'autre, c'est peut-être qu'il a remplacé. Voilà. On peut l'applaudir. C'est un intérieur trop super, en tout cas. Bravo. Merci à lui. C'est du beau. T'as d'autres voitures? Tu comptes en avoir d'autres? J'ai eu déjà des 944. Ouais. Donc, ma prochaine, je pense, ce sera le 7. Ouais, ça c'est bien ça. Ok, on va laisser ça partir. On va passer avec une française qu'on n'a jamais présentée. Et,